Heureusement que vous êtes en train d'améliorer où vous êtes à Obala avec cette construction de la cathédrale d'Obala. Évidemment, Dieu rendra chacun selon ses œuvres. Comme vous l'avez dit, ce peuple, quand ils mangent leur pain, ils mangent mon peuple. Mais vous, au moins, Obala, vous ne mangez pas votre peuple parce que vous avez entrepris, n'est-ce pas, de construire une grosse cathédrale. Et il faut dire que le diocèse d'Obala a été créé en 1987. C'est ça. Et Monseigneur Jérôme Omimboué avait initié ce projet que vous avez pris à bras le corps aujourd'hui. Est-ce que, Monseigneur, vous pouvez nous en parler? Monseigneur Jérôme, je dois le dire, d'ailleurs, était l'évêque qui a, après la fondation, le fondateur, c'est le pape Jean-Paul II. Il a été le premier évêque dont il fallait mettre des choses en place. Il avait des objectifs, d'abord la formation de prêtres. Donc il a créé le petit séminaire de Fokker, l'un des meilleurs du Cameroun. Il a créé plusieurs paroisses, il a formé des prêtres, il a construit l'évêché dans lequel je réside et lui n'y a pas mis pied. Donc j'étais le premier à y résider. Alors quand j'arrive, je trouve qu'il a voulu commencer à construire la cathédrale, mais n'a plus pu le faire. Donc j'ai essayé de commencer assez tôt. Mais je n'avais pas très bien compris tout le système. Donc nous avons repris en 2017. Et depuis lors, on a fait beaucoup de choses. Déjà, depuis le début, nous avions pu identifier ceux qui occupaient le site. 1,5 hectare qui nous avait été donné par le chef Atebabe, le chef de groupement d'Obala, gracieusement. Mais il y avait des gens qui logeaient sur le site. Il fallait les déguerpir. Et maintenant payer. Et ça nous a coûté environ 70 millions. Nous avons commis un expert qui a évalué chaque maison avec les autorités civiles. Nous avons payé régulièrement tout. Voilà, c'était la première phase. Après, nous avons terrassé le terrain. Et après, nous avons fait des études du sol, des études tectoniques, des études architecturales, des études d'ingénierie, ça a coûté beaucoup d'argent. C'est après ça que nous avons commencé. Mais même pour commencer, il fallait clôturer le site, il fallait électrifier le site, il fallait avoir de l'eau, on a fait un forage. Il fallait faire un atelier de ferraillage, un atelier de menuiserie, un atelier pour les préfabriquer. Tout cela, c'est des préalables qui ne te montrent pas les murs qui montent. C'est déjà fait. Et nous avons maintenant commencé avec les semelles. On a déjà fait pas mal de choses. Les contributions jusqu'à ce jour sont de l'ordre de 300 millions. Nous estimons que dans la culture bantoue, 9, c'est le chiffre parfait. Nous estimons que le temps que ce projet prendra correspond plus ou moins à ce chiffre parfait. Nous tendons toujours vers la perfection. Mais dans le même temps, les contributions devront suivre pour que nous puissions réaliser cela. Et jusqu'à ce jour, nous avons reçu plus de 100 millions de l'Église, de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui nous a beaucoup aidé. Donc nous sommes à moins de 200 millions de contributions des fidèles. C'est donc un appel que je lance. Il y a eu beaucoup de choses dites, non dites, bien dites, mal dites, mais le projet est là. C'est un projet ambitieux. Et c'est un projet ambitieux qui vaut 10 fois ce qu'on a déjà eu à recevoir comme contribution. C'est un projet ambitieux. Je pouvais faire une cabane, mais non. Non. Salomon n'a pas fait une cabane pour le Seigneur. Même après le retour de l'exil, on n'a pas fait une cabane pour le Seigneur. Nous devons donner le meilleur à Dieu. Je profite de cette occasion que vous me donnez pour parler à chaque fils, à chaque fille du diocèse d'Obala. Tous ensemble, mettons-nous en route pour construire notre diocèse. Laissons tomber tout ce que vous avez entendu, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on n'a pas dit.
venez apporter chacun sa pierre. Comme Darius, n'est-ce pas, avait donné mandat à Agé et aux autres quand il fallait, après le retour de l'exil, n'est-ce pas, pour reconstruire le temple de Jérusalem. Que chacun s'engage, de tout son cœur pour que nous construisions cet édifice. Hier, Monseigneur Abraham Comé, le président, a dit que ce sera la fierté du diocèse et au-delà du diocèse même, de l'Église du Cameroun. Quand nous allons dans d'autres pays, nous voyons des belles œuvres qui sont conçues pour la gloire. Pourquoi on ne doit pas en avoir au Cameroun? Pourquoi je dois faire ce qui est mièvre? Pourquoi je dois faire ce qui est banal pour le Seigneur? Pourquoi? Pourquoi je ne dois pas me dire, Seigneur, je te donne ce qui est beau? Et qu'en regardant ce qui est fait, que je dis, waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Parce qu'une cathédrale, ce n'est que l'expression de la foi des fidèles. Et le peuple du diocèse d'Obala est un peuple qui croit en Dieu. Il y a 4 évêques vivants originaires de ce diocèse. Ça signifie que c'est un peuple de foi. Nous avons 150 prêtres. Ça signifie que c'est un peuple de foi. Et pourquoi ne devons-nous pas faire de belles œuvres qui soient des joyaux pour la très grande gloire de Dieu et aussi, bien évidemment, notre bonheur, qu'on soit nous aussi. C'est interdit d'être heureux. C'est interdit de se réjouir des merveilles de Dieu, mais que non. Donc moi, je suis dans cette dynamique. Je refuse, mes prêtres le savent. Même le journal Nkulvamba que nous sortons, mon communicateur le sait. Je regarde tout, je reviens sur tout, je leur dis ça là, c'est pas bon. J'embête, je sais. Mais je dois dire une chose. J'ai eu la grâce de travailler avec le nonce Ariotti pendant 7 ans. Il était comme ça. J'étais son chargé d'études. Il m'a fait écrire une fois une lettre, 11 fois. Parce qu'il voulait qu'elle corresponde à ce que lui avait en tête. Il ne savait pas très bien écrire français. Mais quand il lisait, il disait ça ne va pas. 11 fois, une lettre d'une page, je dis bien. Une page, 11 fois. C'est vrai, parce qu'à la fin, moi, je disais, waouh, c'est ça qu'il fallait écrire dès le départ. Donc, c'est un appel que je lance à tous les fils et à toutes les filles. Pour que chacun se dise, c'est mon église, c'est la maison du Seigneur, j'y vais. Alors, ce ne sera pas un long fleuve tranquille, mais il faut compter quand même sur la grâce et le secours du Seigneur. Si le Seigneur lui-même ne bâtit sa maison, en vain peine les bâtisseurs. Alors, ça, je le sais. Merci, Excellence. Peut-être auriez-vous un mot de fin. C'est une nouvelle année qui a commencé, certainement, pour le peuple de Dieu qui est au Bala et au Cameroun et au-delà, certainement. Vous auriez un mot de fin. Mais le mot de fin, c'est 2 choses. Le Cameroun passe un moment critique. Mon mot de fin, c'est que tout Camerounais s'engage à construire le Cameroun, à construire son village, à être un artisan de paix. La deuxième chose, c'est un mot de bénédiction que le Seigneur nous donne en cette année 2020, 20 sur 20. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse tous ses fils et toutes ses filles, qu'il fasse briller sur vous son visage, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous comble au-delà de ce que vous espérez, au-delà de ce que vous pouvez même imaginer. Merci, Excellence, de vous être fait violence pour nous accorder ce précieux temps. Mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'accorde le temps à Radio Veritas, en espérant que vous continuez à être témoin de la vérité. Tout à fait. Nous le serons toujours. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et bonne année à vous. Et bonne année à tous les téléspectateurs de la télévision Veritas. Merci, Excellence. Merci, mesdames, messieurs. C'est ici que s'achève votre émission Question de vie, question de foi. Nous étions en compagnie de Mgr Sosten Léopold Bahimi, évêque d'Obala. Nous vous invitons tout simplement à rester scotché sur les antennes de radio et télévision Veritas. Nous vous souhaitons une fois de plus bonne année. Restez sur nos programmes. À bientôt pour une prochaine édition.